dit bonjour à la famille. Et là, il y a la caméra TF1, il y a tout le monde qui arrive avec des poutrelles et tout. Mais vous l'avez vu cette émission? Ouais, tous ensemble. Mais oui, tous ensemble. Et le mec, il chuchote toujours dans l'oreille. Il dit, vous êtes contente, Nathalie? C'est votre nouveau chez vous. Et genre, ce qui est énorme, c'est qu'en 3 jours, la maison, elle existait plein. Genre, ils habitaient un caravane dans le truc, et en 3 jours, ils ont un palace. Toi, t'as même passé à Los Angeles dans les clips de Rihanna. C'est des magiciens, les mecs. Et genre, parce qu'il y a la voisine qui est venue avec son bout de bois. Toi, t'en es venu avec 3 tuiles. Toi, t'en es venu avec 3 tuiles. Tiens, là, il a amené chauffe-eau et ça fait un château. Et tu dis mais ils ont coupé là, il y a 2 mois de travaux là, il y a Black & Decker qui est venu, il y a Ikea, il y a Monsieur Ikea, il y a un truc, les mecs ils ont des meubles en marbre. Mais vous avez... Ah c'est vrai. Dans le jardin il y a des rosiers. Non mais d'où ils viennent les rosiers? Ils sortent de chez Truffaut quoi. Mais vous avez vu? Et alors, ce qui est énorme, c'est que donc t'as 5 voisins qui viennent, et à la fin, t'as 1000 personnes qui applaudissent. Et alors, et t'as des mecs, t'as des Chinois et tout, ils viennent pas d'ici. Ils ont pris des figurants, les mecs, ils sont dans la mine. Ils applaudissent et tout le monde dit bravo. Ah putain. Et il y a genre, t'as l'impression qu'ils ont mis du jus de citron dans les yeux pour qu'ils pleurent. Et le truc, ça fait 5 ans qu'elle existe, cette émission. À chaque fois, il y a la meuf qui pleure. Et tu dis, non, elle va pas pleurer. Et... À chaque fois, c'est pareil. Et t'as l'impression qu'il met un coup de coude sur le côté de le mec, l'animateur. Vas-y, pleure, s'il te plaît, sinon ça marche pas, le sketch. Vas-y, fais le cinéma. Et à la fin, il pleure, et puis le générique, il fait, rendez-vous la semaine prochaine, demain, on sera à Montauban, on fera un château aussi, avec une famille qui... J'avoue. Oh là là, demain on fera un château hanté. Non mais je sais pas si vous avez regardé, mais c'est magnifique. Allez, voilà le petit fou rire qu'on a eu là.